Salut, je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans, et il y a 2 ans, avec un pote, on s'est lancé un projet complètement fou, celui de faire un film documentaire digne d'une grosse production sur la championne d'escalade, Oriane Berton. Après 2 ans de travail, entre l'écriture du documentaire, la réalisation des différentes interviews, son papa, son premier entraîneur et d'autres grandes personnalités du monde de l'escalade, le documentaire est presque fini. Mais maintenant, on va avoir besoin de vous, et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place une cagnotte participative. Et ce qu'on va récolter grâce à la cagnotte, je vais vous expliquer comment ça va être réparti. Donc la première partie, elle va servir à financer les lots que vous allez avoir, parce qu'on a choisi de mettre en place des lots de qualité. La deuxième partie, elle va servir à financer à la tournée des festivals, faire la promotion du film de manière générale. La troisième partie, elle va servir à rembourser une partie des frais liés au tournage, à nos déplacements. Et la dernière partie va servir à financer la TVA et les frais liés à la plateforme. Et donc là, on enchaîne tout de suite avec la bande-annonce. Quand elle va arriver sur le circuit, ça va faire mal. Dès qu'elle participe à une compétition, elle la gagne. Dès qu'elle a pu rentrer dans les années jeunes, championne de France, championne de France, championne de France, multiple championne de France. Je re-regarderai de nouveau les compètes lorsqu'elle commencera à perdre. Super. Elle a commencé à gagner, elle n'a plus arrêté de gagner. Avoir du talent comme elle a et puis qu'elle grimpe au final, ça pousse pas vers l'entraînement, ça pousse pas vers l'investissement parce que ouais, on se repose sur ses lauriers. Le parcours, il est en dents de scie, ça va descendre, ça va remonter et c'est la capacité à savoir rebondir de ces descentes qui va conditionner aussi jusqu'où elle pourra aller. Peut-être que la motivation n'est plus exactement la même. Elle a 70% de son potentiel, c'est certain. Si les Jeux c'est demain, elle ne sera pas championne olympique. Si elle retrouve ce plaisir du développement de soi, de l'exigence, de la perfection. Je pense qu'elle a les capacités pour aller au sommet. Elle a compris quelque chose et il suffit de pas grand-chose pour que la graine pousse. Alors Oriane, des impressions? Comment ça a été cette pole dance pour vous? Très dur. Très dur? Oui.